En Floride, cette famille a vécu un terrible cauchemar lorsque leur enfant, âgé de 3 ans, Marshall Butler, a soudainement disparu de la maison. Nous étions paniqués, confie Kala Stewart, la tante du garçon, à WJHG Vect, ajoutant avoir imaginé toutes sortes de scénarios les plus défavorables. Situation accentuée par le fait que Marshall, atteint d'autisme, ne pouvait ni parler ni communiquer. Leur seul réconfort, bien qu'infime, le garçonnet avait disparu en compagnie de Nala et Bukwiat, les deux chiens de la famille. En plus de la famille, tous les voisins se sont alors lancés à sa recherche pour arpenter la région. Le bureau du shérif a de son côté publié des informations sur l'affaire sur Facebook. L'enfant a été vu pour la dernière fois portant seulement une couche, y est-il précisé. Des chiens de policiers ont également été conviés aux recherches. Bonne nouvelle, l'enfant a été retrouvé sain et sauf par Carole Shelton, une voisine, plus tard dans l'après-midi. Il était couvert de saleté mais miraculeusement indemne et se trouvait à un peu moins de 2 km de chez lui. Et il était accompagné de Nala et Bukwiat qui ne l'ont, semble-t-il, pas lâché d'une semelle. Ravie de retrouver Marshall, la famille était également très fière de ces deux boules de poils qui ont fait leur travail, déclare la maman, reconnaissante. Les 5 avantages à emmener son chien en vacances. Si pour certains emmener son chien en vacances est une évidence, ce n'est pas toujours le cas. Pourtant, voyager en compagnie de son toutou ne comporte que des avantages à côté desquels il serait bien dommage de passer. Partir en vacances avec son chien, c'est compliqué ? Plus maintenant. De nos jours, de très nombreuses solutions existent pour permettre à votre toutou de vous suivre même en vacances et de profiter du bon air de ces moments hors du temps. De plus, après des mois passés à l'intérieur à cause du confinement, puis un réajustement parfois surprenant lors du déconfinement. Des vacances avec votre chien vous feront le plus grand bien, ainsi qu'à votre animal qui ne demande qu'à passer du temps avec vous. Vous hésitez encore? On va finir de vous convaincre. Un séjour pour renforcer vos liens. Toute l'année, votre chien vous voit partir au travail ou chez des amis et a l'habitude de vous attendre, plus ou moins patiemment, à la maison. Et avec le déconfinement, votre chien a dû se réhabituer à ne plus vous voir toute la journée, après des mois à profiter de votre présence à tout moment. Le gros avantage des vacances avec son chien, c'est qu'elles sont l'occasion rêvée pour intégrer votre chien dans toutes vos activités et renforcer les liens que vous avez avec lui. Quant au chien, il sera plus que ravi de découvrir de nouveaux paysages, de profiter de votre présence et de rencontrer des tas de nouveaux copains. Ce sera encore plus précieux à l'heure du déconfinement, où votre chien réapprend à passer ses journées seul pendant que vous êtes au travail. Des vacances avec vous, ça lui ferait tellement plaisir. Le chien, le bon partenaire des sportifs. Quoi de mieux que les vacances pour se mettre, ou se remettre, au sport? En partant avec votre ami à quatre pattes, vous allez pouvoir tester de nouvelles activités sportives. Canicross, canipaddle, ski jouering. Les idées ne manquent pas et votre chien sera toujours partant pour vivre ses nouvelles émotions et sensations à vos côtés. Des vacances sereines, avec son chien à ses côtés. Puisque votre meilleur ami canin est à vos côtés, vous n'avez pas besoin de vous demander chaque jour qui passe s'il va bien, s'il ne s'ennuie pas, s'il a bien mangé. Votre chien est avec vous et vos vacances se déroulent dans la sérénité la plus totale. Même chose du côté de votre chien qui sera moins stressé que s'il devait être confié à quelqu'un d'autre durant plusieurs jours. Se créer de jolis souvenirs. C'est un fait, les vacances sont souvent une affaire de famille. Il est donc logique que votre chien fasse partie de l'aventure quand cela est possible. Sa présence sera l'occasion de faire de magnifiques photos de lui dans toutes les postures et dans toutes sortes de paysages. Et ainsi de se fabriquer des souvenirs qui resteront gravés à jamais. En vacances avec son chien, le meilleur moyen de faire des rencontres. Dans 100% des cas, partir en vacances avec votre chien signifie aussi faire de belles rencontres et nouer des contacts. Car il n'y a rien de tel que la présence d'un toutou pour briser la glace et faire parler même les plus timides. D'ailleurs, c'est simple, c'est votre chien lui-même qui devrait aller vers les gens, faisant le plus dur du travail. À vous ensuite de donner suite ou non à ces rencontres. Bref, un chien en vacances,
c'est aussi la garantie de ne jamais s'ennuyer. Même si partir en vacances avec son chien peut sembler très compliqué au premier abord, surtout si l'on part à l'étranger, ce n'est pas forcément le cas. Il faut simplement bien préparer son animal et faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. Rappelons aussi que pour partir à l'étranger avec son animal, il faut respecter les réglementations locales. Une fois sur place, avoir votre toutou à vos côtés n'apportera que du positif.